Quels sont les ennemis du succès? Le gaspillage. Le gaspillage, c'est-à-dire poser des actes qui ne rapportent rien du tout. Comme quoi? Comme quoi? Alors, j'ai un smartphone, on me dit demain il y a un nouveau qui est sorti. Alors, je change. Parce que il faut être à la page. Dans ces gaspillages, il y a notre manière de vivre. Il y a des gens, vous voyez, sur leur page Facebook, ils se lèvent le matin et mettent un corps. Il y en a, ils se lèvent le matin et mettent leur photo. Il y en a, ils se lèvent. C'est-à-dire que ces gens-là, Facebook n'est même pas fait pour eux. Parce que Facebook est un outil de communication. Communication pour quoi? Pour aujourd'hui commercialiser. Pour aujourd'hui, comment on appelle, conscientiser. On a fait de l'Africain un consommateur. Il consomme n'importe quoi, même ce qui n'est même pas utile. Il y a un monsieur qui m'a appelé un jour, il dit les policiers. Alors, je ne vais pas dire le nom du village pour que tout le monde sache qui c'est. Mais il dit, quand il m'a entendu, il venait la veille d'acheter une moto de 700 000. Il est allé la revendre à 400 000. Dans le village où il a acheté un terrain, il a commencé, il a construit. Et il a acheté un vélo. Tout le monde se moquait de lui, tous ses collègues. Il dit, aujourd'hui, lui n'a même pas, en moins de 2 ans, lui n'a même pas de problème de 300 000, 400 000 francs. C'est cela. Je rentrais le soir, ma femme dit, emmène du poisson. Je m'assois là, j'ai commandé 2 poissons braisés et puis j'attendais pour prendre mon poisson. Je vois un monsieur qui arrive sur sa moto. Il y avait une femme, il y avait un enfant entre lui et la femme, et il y avait un autre enfant devant. Il est venu garer la moto, il est descendu. J'ai regardé le monsieur. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai appelé. J'ai dit, monsieur, vous êtes marié, n'est-ce pas? Vous êtes venu avec votre famille pour manger. Moi, je ne vous connais pas, je ne suis pas votre père. Je vous bénis. Vous allez acheter une voiture, ça ne va pas durer. Parce que vous avez compris que vous pouvez venir avec votre femme et vos 2 enfants manger là. Et même s'il faut les transporter sur une moto, je vous apporte ma bénédiction. Le gaspillage, c'est idiot. Parlant des nations, parlant des individus, j'ai dit, nous avons par exemple l'argent de notre développement. Nous avons l'argent pour être ce que nous voulons être dans nos maisons. Tu touches 100 000 francs, les 100 000 francs, tu les gaspilles. Tu ne peux même pas mettre 1 franc de côté. Ensuite, comment dirais-je, les fréquentations. Tu es marié, tu as choisi d'être avec une femme. Quand tu as choisi une femme, quand une femme a choisi un homme, elle a choisi un ami, elle a choisi une mère, elle a choisi un père. De l'autre côté, c'est la même chose. Mais c'est pas au moment où on se marie qu'on a une pléthore d'amis avec lesquels il faut forcément aller boire. Je passe devant les maquis, je vois les motos, je dis, j'enrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Mais parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire d'aller s'asseoir, boire. Tu as soif, tu bois quoi?